coup d'argent, c'est l'émission à ne pas rater. Bienvenue dans Jour de Chance sur Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir, magnifique public. Bonsoir, chers téléspectateurs. Deux équipes viendront s'affronter à travers leurs talents, leur culture générale et bien évidemment leur chance pour tenter de gagner les 2 millions de francs CFA. Mais avant de commencer cette émission, il manque bien évidemment une personne. Je veux entendre des ovations pour Boris. Public de Jour de Chance, est-ce que vous êtes là? Oui. Public de Jour de Chance, je ne vous entends pas. Plus fort, plus fort, plus fort. Oui. Alors, ami, hey. Comment vas-tu? Je vais très bien, Boris, et toi? Ouais, tranquille, ça va. Ah, vraiment. C'est la femme vertueuse aujourd'hui. Ah, ouais, tout en vert. Ouais, mais tout en vert. Moi, depuis que toi et moi, oui. on présente l'émission de Jour des Chances ensemble, je voulais te dire, t'es tellement stylé. Oh, Ami, arrête de me flatter. Tu es trop stylé. Faites plutôt du bruit pour Ami, franchement, elle est lumineuse. Merci. 2 millions de Français face à la belle promesse que vous faites Live TV du lundi au vendredi à partir de 18h dans le jeu Jour de Chance. Deux équipes de trois membres qui s'affrontent à travers des questions de culture générale, des jeux ou des activités. Leurs talents aussi. Exactement, des talents, ça chante, ça danse, ça rigole, le tout dans une super bonne ambiance. Ami, on va directement mettre les deux pieds dans le plat. Exactement. On reçoit notre première équipe et elle s'appelle la Team Sans Filtre. La Team Sans Filtre. On applaudit pour la Team Sans Filtre, s'il vous plaît. La Team Sans Filtre, nos amis de la Team Sans Filtre, ils arrivent avec leurs locks et leurs jolies go qui les accompagnent. Alors la Team Sans Filtre, le premier participant, c'est quoi ton nom? Kinaya. Touré? Kinaya. Touré Kinaya. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon frère Kinaya? Moi aussi, je suis sportif. Tu es sportif? C'est-à-dire? Moi, je joue au foot, je suis footballeur amateur. Tu es footballeur amateur? Ouais. Mais tu espères devenir professionnel? Ouais. Tu es déjà dans un petit club, tu te cherches un peu. Moi aussi, d'un club à Boaké. D'un club à Boaké. Voilà. Que force à toi, mon frère. Ah, merci, tu iras loin, tu as fini au Real de Madrid. Après, fais de bruit pour lui, s'il vous plaît. À côté de Kinaya, on a une ravissante jeune dame. C'est quoi votre nom, madame? C'est Miss Yao Afoué-les-Sept. Miss Yao Afoué-les-Sept. Les sept, mais les huit. Les sept. Yao Afoué-les-Sept. Tu fais quoi dans la vie, ma soeur? Je suis étudiante en tourisme hôtellerie. Étudiante en tourisme hôtellerie. Faites du bruit pour les sept. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ils méritent encore plus de bruit. Et le troisième membre de la Team Sans Filtre? Je suis Jean-Rodolphe Quadio. Jean-Rodolphe Quadio. Tu fais quoi dans la vie, Rodolphe? Je travaille à Okai Production. Tu travailles à Okai Production. Tu es un technicien de l'audiovisuel. On va faire du bruit pour lui également. À côté de la Team Sans Filtre, ou plutôt en face de la Team Sans Filtre, leurs adversaires du jour, c'est la Team Wouloubrou. Wouloubrou. La Wouloubrou. Eh? Hey, la Wouloubrou. La Wouloubrou. La Team Wouloubrou. Team Sans Filtre. Aujourd'hui, là, c'est des noms très originaux et je suis sûr que ça va chauffer. La ravissante jeune dame avec la brèche là-bas, comment elle s'appelle? Bernadette Agua. Bernadette Agua. Tu fais quoi dans la vie, Bernadette? Communication digitale étudiante. Communication digitale étudiante. Mais tu vas m'aider à développer mes réseaux sociaux alors? Pas de problème. Tu maîtrises ça, non? Je veux 1 million d'abonnés en une semaine. Hein. Si le budget y est. Le budget y sera. Ok. Tu es arrivé ici, tu parles de budget. J'espère que tu vas partir 2 millions là-là. Hein. J'espère. On fait du bruit pour Bernadette, s'il vous plaît. À côté de Bernadette, on a Monsieur Ouroudier Pascal Eric. Monsieur Roger Pascal Eric. Ouroudier. Ouroudier. Oui. Vous faites quoi dans la vie, Monsieur Ouroudier? Je suis enseignant. Enseignant en quoi? Bon, instituteur au primaire. Instituteur. Ouais. C'est toi qui donnes les premiers pas, les premiers mots à nos enfants. Oui, faites du bruit pour Monsieur Ouroudier. Parce que c'est la base de l'éducation, les premiers pas dans les études. Et il aide les enfants à apprendre à lire, à écrire. C'est hyper important. À côté de Monsieur Ouroudier, on a. Kone Kama, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en comptabilité. Étudiante en comptabilité. Oui. C'est-à-dire, ils sont venus l'équipe au complet. Il y a l'homme pour compter l'argent, l'homme pour l'éducation, pour développer les photos après qu'ils vont gagner. C'est exceptionnel. Faites du bruit pour nos deux équipes, s'il vous plaît. La Team Sans Filtre, la Team Wourou. Et on va foncer directement sur l'entrée des chanceux. Ami, le principe, s'il te plaît. La première étape de Jour de Chance s'appelle l'entrée des chanceux, comme Boris l'a dit. La Team Sans Filtre et la Team Wourou. Wourou. Non, Ami. La team Wourou. Non, Ami. Là, on a obligé de faire un petit cours de phonétique. La team Wourou. Tu répètes après moi. Wourou.
Wourou. C'est la team Wourou. D'accord. Merci, Ami. La team Wourou. Vont devoir s'affronter à travers leurs talents et c'est le public qui va désigner laquelle a le meilleur talent. Et l'équipe gagnante aura la première étoile de jour de chance. Ok, donc nos deux équipes seront départagées à l'applaudimètre après avoir montré leurs différents talents publics. On compte sur vous. Alors, la team Wourou, vous proposez qui pour ce premier concours? Et quel est votre talent? C'est le slam. Le slam. Monsieur Ouroudier va venir ici pour nous déclamer des mots et va nous offrir un slam de haut vol. Le premier candidat qui va occuper notre scène aujourd'hui pour le premier jeu, c'est Monsieur Ouroudier. Il nous propose un slam qui s'intitule... La recherche de la paix. À la recherche de la paix. On écoute Monsieur Ouroudier de la team Wourou. La parole du cœur, c'est la croyance et la clé de la croyance, c'est la connaissance. Alors que le domicile de vos oreilles attentives écoute mes paroles interpellatrices. De l'amour à la haine, en passant par la peine, j'ai juré de ne plus donner de l'affection, car mon cœur était envahi d'affliction. Je m'infligeais ce supplice sans complice, seule la nuit était mon complice. J'irais à la recherche de la paix, oui, cette paix qui allait me libérer de tout chagrin. Et vers lui, je me suis retourné, il m'a conduit à son livre. Dans son livre, j'ai retrouvé la paix. Et comme quand le cœur parle, seul le cœur l'entend, j'espère que le domicile de vos oreilles attentives vont écouter ces paroles. La bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. Merci. Oh, c'est super beau. C'est super beau. Merci. Merci, monsieur Ouroudier. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique et assez original parce que c'est rare de voir un candidat ici nous proposer un beau slam. Les mots étaient bien agencés. C'est bien dit, c'est bien pensé. À la recherche de la paix de monsieur Ouroudier. On applaudit, s'il vous plaît. Alors, la team sans filtre. Qui est-ce qui nous rejoint ici et qu'est-ce qu'il nous propose comme talent? Bon, on a une petite improvisation. Un petit sketch. Ensemble venez, ou... venez, oui, venez, venez. Ok, venez, 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 venez. C'est un duo. Venez, venez. Un duo très dangereux. Inaya, c'est ça? Kinaya. Venez, Kinaya? Venez. Non, elle attend là-bas. Elle reste là-bas? Ouais, c'est dans le sketch. Ah, donc le truc est bien ficelé. Toi, ouais. Tu es ici, elle reste là-bas, elle fait les bacs. Ouais, et c'est quoi comme talent? Bon, c'est la drague. La drague? C'est-à-dire? Je vais la draguer. Tu vas la draguer? Ouais. Maintenant, à quel moment on va savoir que tu es talentueux en drague? C'est que c'est de la... Bon. Elle va accepter sur place ici. Ah, si elle a accepté, c'est que je suis talentueux. Non, mais là. Ah! Je ne sais pas. Bon, c'est au public de juger. De toute façon, ce n'est pas nous les juges de cette épreuve-là. C'est au public de juger et ça se fera à l'applaudimètre. Vas-y, c'est à toi, Kinaya. Ma chérie. Ma chérie. S'il te plaît. C'est quel prénom là? C'est les 7. Ah bon, vous avez un joli prénom, hein? Moi, c'est Touré Kinaya. Kinaya? Oui, oui. D'accord. Voilà, je suis footballeur, je joue au Real de Madrid. Je suis présentement en vacances là. Mais vous allez où là? Je rentre comme ça, je vais à la maison. Il faut que vous êtes pressé. Oui, je suis très pressé. Bon, je tenais à vous offrir un pot là, c'est pas. Oh, vraiment, je suis très, très, très pressé. S'il vous plaît, ma chérie. Je suis occupée, s'il vous plaît. Mais je peux avoir votre numéro. Moi, non, je n'ai même pas de téléphone. J'ai pas de téléphone. Sérieux, j'ai pas de téléphone. Oh, pas de soucis. Je suis quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon frère, tu voulais mon numéro, non? Non, 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 c'est plus la peine. Attends. Mon téléphone est resté là. Ok, ok. En fait, c'est l'intitulé de l'épreuve qui n'a pas été bonne. Sinon, en vrai, c'est un sketch. Un sketch sur le sujet de la drague. Avec les femmes qui sont tentées par l'argent du dragueur qui tombe et tout. C'était plutôt un sketch. Alors, on récapitule. L'équipe, la team Wourou, ils nous ont proposé un slam. Et de l'autre côté, la team Sans Filtre, ils nous ont proposé un sketch. C'est au public maintenant de jouer. Qui repart avec la première étoile publique? Est-ce que c'est la team Wourou qui repart avec cette étoile? Ok, Ami. Si l'étoile est pour la team Sans Filtre, je veux entendre du bruit. Vous savez, parfois, quand on fait le jeu de l'applaudimètre, on est obligé de reprendre pour être sûr que l'équipe la plus méritante a gagné. Mais là, vous-même, si on vous demande, vous allez dire que c'est eux qui ont gagné. Mais le public a trop déjà foutu pour eux, ou bien. On a quand même essayé une deuxième fois quand même. Non. Qui veut que la team Wourou reparte avec l'étoile? Ami, il faut demander. Si
Si cette première étoile est pour la team sans filtre, je vais entendre du bruit. Bon. Ils ont gagné, non? Ils ont joué le jeu. Ok. Alors après ce premier jeu, on va passer maintenant à la deuxième étape, c'est la première chance. Ami, le principe, s'il te plaît. La deuxième étape de jour de chance, la première chance, 10 questions de culture générale. On espère que vous avez bien révisé culture générale parce qu'une bonne réponse, une étoile, bonne chance. Ok, on va passer maintenant au jeu première chance. Exactement. 10 questions de culture générale pour nos deux équipes. Elles ont les buzzers et ça se joue sur la rapidité et surtout la justesse des différentes réponses. Question 1. Avec quel poisson mange-t-on le garba? Thon. Non, on buzz d'abord et la réponse revient à la team sans filtre. Allez-y. Thon. Le thon, exact. Bonne réponse. Question 2. Attendre d'avoir la main avant de donner la réponse. Exactement. Qui a remporté la première saison de la télé-réalité Inside diffusée sur les antennes de Live TV? Il s'appelait... 5, 4, 3, 2, 1. La main passe. C'est à vous de répondre. Trois propositions de réponse. Il y a le rappeur Tchekabo, la jeune Zainab et Chika. Chika. Bonne réponse. Chika est le vainqueur de la première saison de la télé-réalité Inside sur Live TV. Question 3. Quel est le plus long fleuve du monde? Le Rhin, l'Amazone ou le Nil? Le Rhin. Le Rhin. Mauvaise réponse. Le Rhin. Le Tu as déjà dit le Nil, j'ai bien entendu. L'Amazone. Il veut changer, mais je l'ai attrapé. Le Nil en Égypte n'est pas la bonne réponse. C'est le fleuve Amazone qui traverse tout le Brésil, qui est le plus long fleuve au monde. Question 4. Quel élément chimique est représenté par le symbole Na? N majuscule et A minuscule. Na. Vous dites A majuscule. Non, mauvaise réponse. Sodium. Exactement, le sodium. Bonne réponse. Question 5. Quel célèbre guerrier mongol a conquis un immense empire au XIIIe siècle, reconnu comme l'un des plus grands conquérants de tous les temps? Serait-ce Jackie Chan, Genghis Khan ou Oliver Khan? Oliver Khan. Bonne réponse. Réponse, s'il vous plaît. Oliver Khan, j'ai entendu. Mauvaise réponse. Oliver Khan, c'est un gardien du Bayern. À vous. John Stan. Genghis Khan, mauvaise réponse, vous n'avez pas trouvé. On passe à la question numéro 6. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? En 1900, déjà, c'est déjà mauvais. Attendez. En 1848. Yeah! Attends. Christophe Colomb, l'Amérique, tu dis 1900. On dit non. Tu enlèves 100 ans dessus, tu dis 1800. Donnez votre réponse. On a trois propositions de réponse. 1942, 1492 et 1294. 1492. Exact. Bonne réponse. Question numéro 7. Quelle grande barrière naturelle située en Australie est visible depuis l'espace? Serait-ce la grande barrière de corail, la grande barrière de Kobay ou la grande barrière de Sarai? La grande barrière de Sarai. Mauvaise réponse. Les propositions de réponse, on a la grande barrière de corail, la grande barrière de Kobay ou la grande barrière de Sarai. La grande barrière de Kobay. De Kobay. Hein, les 7. Tu connais Kobay, non? Kobay, là, c'est quoi? Animal, on élève comme lapin, là. Oui. Le rongeur, là. Oui. Maintenant, c'est la barrière, c'est comment? Puisque les Kobay sont alliés. C'est la grande barrière de corail, ma soeur, toi aussi. Ah, question numéro 9. Dans quel sport s'illustre l'Américain LeBron James, surnommé King James? Basket. Basketball. Tu n'as pas buzzé et la bonne réponse revient à la team Wouhou. Dernière et ultime question, c'est la question numéro 10. Quel rappeur ivoirien était en concert tout récemment, c'est-à-dire le 15 février 2024? Didi B, bonne réponse. Bonne réponse pour la team sans filtre. Ami. On est donc au terme de ce premier jeu et dis-moi, c'est quoi les totaux pour... voilà, oui, vas-y. Après cette première chance, la team sans filtre totalise 3 étoiles. 3 étoiles pour la team sans filtre. Et la team Wouhou totalise 4 étoiles. 4 étoiles pour la team Wouhou. On est donc à 4 à 3. Le match est très serré.
très serré. Mais je vous rappelle que rien n'est encore joué parce qu'il reste encore les importants jeux devant et surtout le jeu où on doit choisir les boîtes avec les multiplicateurs. Là maintenant, on va passer à la seconde chance. Ami, tu rappelles le principe rapidement? L'étape transitoire, chacun sa chance. L'épreuve du jour, quelle sera l'épreuve du jour? Parce que l'équipe qui va remporter cette épreuve pourra récupérer 3 étoiles à l'équipe perdante. D'accord. Alors, c'est quoi les épreuves du jour pour ce jeu transitoire? On a des femmes ici, on a une femme là-bas. On va juste faire le jeu de l'eau alors. Le jeu de l'eau? Oui, on va juste faire le jeu de l'eau. Le jeu de l'eau, 2 bouteilles d'eau sont présentées aux différentes candidates. On va prendre que des candidates. Hein. Une femme là-bas et les 7 de l'autre côté ici. 2 bouteilles d'eau et la première à finir sa bouteille repartira avec 3 étoiles qui seront ravies à l'équipe d'en face. C'est les parti. 7, tu nous rejoins ici s'il vous plaît. On passe maintenant au jeu qui s'appelle Chacun sa chance. C'est un jeu transitoire qui permet à l'une des équipes de ravir 3 étoiles à son adversaire. Et c'est 2 femmes qui vont nous rejoindre maintenant. Une de chaque équipe, s'il vous plaît. Les 7, tu viens? Et c'est quoi ton nom? Kama, ok. Les 7 face à Kama. Je vous explique l'épreuve. Vous avez 2 bouteilles d'eau devant vous et vous devez vider votre bouteille d'eau le plus rapidement possible, sans toutefois, ami. Vous devez boire proprement. Aucune goutte d'eau doit verser. Aucune goutte d'eau ne doit verser. Bonne chance. Attendez que je vous donne le top. Elles ont soif avant. Les 2 filles ont soif. Elles ont soif de... Calmez-vous d'abord. On dit c'est un jeu, vous voulez étancher vos soifs. Les 7, tu es prête? Non, on ne touche pas ta bouteille. On ne touche pas. On commence au même point. Toi aussi, tu ne touches pas ta bouteille. Quand je donne le top, vous commencez. 3, 2, 1. Fimbou, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Je voulais faire Fimbou décaler. Maintenant, vous voulez voir. Ok, bon, on y va pour de vrai cette fois. 3, 2, 1, top. Elles ont fini la bouteille, mais dans quelles conditions? Qui repartira avec les 3 étoiles de son adversaire? Franchement, je laisse Ami juger. Alors, Ami qui est l'arbitre de ce jeu-là. Ça là, on appelle ça à boire proprement. Ah, Ami, c'est toi qui bois. On a dit quoi, Boris? Sans verser une seule goutte d'eau, mais tu t'es lavé avec l'eau. Mais elle s'est lavée avec l'eau. Elle s'est lavée avec l'eau. Regarde. C'est là à ce moment, mais elle s'est lavée bien, bien même. Ah là là, malheureusement, vous allez perdre 3 étoiles. Malheureusement, parce que la team Wouwou perd 3 étoiles. Exactement, parce que l'équipe qui a remporté cette étape transitoire, c'est la team sans filtre. La team sans filtre repart avec 3 étoiles. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Kama, tu n'as pas démérité, mais tu as versé toute l'eau. Et puis. Elle s'est lavée avec. Les règles du jeu, c'est qu'aucune goutte d'eau ne doit verser. Donc, la team sans filtre va repartir avec 3 étoiles de chez vous. Ils vont vous ravir 3 étoiles. On applaudit pour les candidats, s'il vous plaît. Vous pouvez rejoindre vos différentes places. On va passer maintenant à la seconde chance. On va faire le point des étoiles maintenant, Boris? D'abord le point et ensuite on passe exactement à l'autre. Vu que la team Wouwou a perdu 3 étoiles et que les 3 étoiles ont été récupérées par l'équipe gagnante, la team sans filtre, ça leur fait maintenant 3 étoiles. Ouais. 6 étoiles plutôt. 6 étoiles. Les sans filtre étaient à 3 étoiles et récupèrent 3 étoiles de l'autre côté. Donc, on a fait maintenant 6 étoiles. Et de l'autre côté pour la team Wouwou. Une seule étoile. Une seule étoile pour la team Wouwou. Donc ça fait 6-1. La team sans filtre qui prend une très belle avance. 6-1 contre la team Wouwou. Nous, on a d'autres jeux et vous aurez le temps de vous rattraper. Ami, on va passer maintenant au prochain jeu. C'est la seconde chance. Seconde chance. Tu rappelles le principe, s'il te plaît? 10 questions de culture générale. Encore une fois, qui va pouvoir donner l'opportunité à nos 2 équipes de pouvoir se rapprocher de la Money Box et donc des 2 millions de francs CFA. 2 duels, 5 questions de culture générale reparties en 2 thèmes. 5 questions de culture générale reparties en 2 thèmes, c'est dans la seconde chance et c'est juste après ce jingle. On poursuit notre plaisant, notre
savoureux parcours dans le jeu Jour de Sens. Et aujourd'hui, c'est la team Sans Filtre qui est opposée à la team Wourou. On va passer maintenant au jeu de la seconde chance. Ami vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est des face-à-face individuels entre des membres des différentes équipes à partir de deux thèmes. Et c'est l'équipe qui a le plus de points, qui a le choix, qui doit choisir plutôt le premier thème. Et aujourd'hui, c'est la team Sans Filtre qui a le plus de points. Alors, les deux thèmes sont Femmes Célèbres et Willy à midi. L'émission Willy à midi sur Live TV, tu choisis quel thème? Femme célèbre. Ok, et lequel d'entre vous viendra derrière le buzzer? C'est toi? Alors viens ici. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Et du côté de la team Wourou, tu viens? Parfait. Ok, c'est quoi ton nom, mon frère? Jean-Rodolphe. Rodolphe? Bernadette. Rodolphe fait face à Bernadette pour le jeu de la seconde chance. Les thèmes sont Femme célèbre. Et WAM Live TV, teste aussi pour toi. Papa, tu as dit que non, tu n'as pas testé. Ok, d'accord. Voilà. Donc, le premier thème que tu as choisi, c'est Femmes célèbres. Ok, on va y aller. Femmes célèbres, ça tourne beaucoup autour de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Hein. D'accord. Première question. Quel est le nom de la première femme chimiste de Côte d'Ivoire? C'est Mariam Sako, Mariam Diko ou Mariam Sanogo? Mariam Sanogo. Mauvaise réponse. Mariam Sako. Mauvaise réponse, c'est Madame Mariam Diko. Madame Mariam Diko qui figurait sur les pièces de 25 francs à l'époque. Je pense qu'elle y a toujours son image avec son microscope pour tout. Une femme très valeureuse, un grand nom un de la chimie en Côte d'Ivoire, Madame Mariam Diko. Question numéro 2. Quel est le nom de la première femme ministre en Côte d'Ivoire? Serait-ce Jeanne d'Arc, Jeanne Monnet ou Jeanne Gervais? Jeanne Gervais. Jeanne d'Arc. Mauvaise réponse. Jeanne Gervais. Bonne réponse. Mais il faut buzzer. Faut buzzer d'abord. J'ai envie de buzzer. Hein. Jeanne Gervais. Question numéro 3. Quel prix a remporté la physicienne Marie Curie? Est-ce un prix Nobel, un Goncourt, prix de littérature ou un César, prix du cinéma? Prix de littérature. Non, le nom du prix. Il y a le prix Nobel, il y a le Goncourt et puis il y a le César. Le César. Mauvaise réponse. Bernadette. Le Goncourt. Non, c'est un prix Nobel. Marie Curie a remporté un prix Nobel. Elle a eu plutôt un prix Nobel pour ses importants travaux sur la radioactivité. Question numéro 4. Quelle femme politique allemande a été chancelière de 2005 à 2021? Angela Merkel. Très bonne réponse, Angela Merkel. Question numéro 5. Qui est la première femme démocratiquement élue à la tête d'un État africain? La femme libérée, la présidente libérée. 5, 4, 3, 2, 1. La main passe directement à Bernadette. Elle n'a pas la réponse. C'est Madame Ellen Johnson Sirleaf. Et tu avais raison, elle est exactement présidente du Libéria. Elle était là juste avant George Weah. Donc, c'est terminé pour le premier thème. C'est la fin pour le premier thème. Individuel. On va applaudir nos deux candidats. Retournez à vos places. Qui vient pour le deuxième thème? Pour le deuxième thème qui vient. Et le second thème, là, il n'y a plus de choix. Hein. C'est Willy à midi sur Live TV. Les questions autour de l'émission Willy à midi sur Live TV. Une émission présentée par mon poteau Willy Dumbo avec Maestria depuis maintenant 4 saisons sur les antennes de la télé sans filtre. Coucou, grand frère Willy. Bien sûr, on se retrouve déjà dès 11h. Hey! On se ressaisit. J'ai failli dire quelque chose. Qu'elle les aider. Ok, d'accord. Non, c'est vrai. Heureusement. Quel est le nom du présentateur de Willy à midi sur Live TV? Willy à midi. Oui, le nom du présentateur. Willy Dumbo. Bonne réponse. Dans Willy à midi, quelle est la rubrique dans laquelle Willy fait le tour de l'actualité People? Oui. 5, 4, 3, 2, 1. La main passe à les 7. La rubrique s'appelle l'Info Buzz, c'est la deuxième rubrique de l'émission. À partir de quelle heure est diffusée Willy à midi depuis la saison 3? À 11h. Non. 11h30. Exactement, à 11h30. Question numéro 4. Comment s'appelle la rubrique dans laquelle Henri, part à la recherche d'une information, d'un objet ou d'une personne? Oui. C'est un reportage dans la ville où Henri pose des questions décalées sur une personne, un sujet ou un objet. La main passe. C'est le Wanted, le célébrissime Wanted. Et comment s'appelle le DJ de Willy à midi, celui qui nous met dans l'ambiance, celui qui met le show? Vas-y. Le DJ, lui qui est derrière les platines. 5, 4, 3, 2, 1. Rapidement, les 7. Comment s'appelle le DJ platine de Willy à midi? 5, 4, 3, 2, 1. C'est mon poteau Marco Denon. Alors, chacun va rejoindre sa place. Merci.
Merci d'avoir participé déjà à ce deuxième jeu-là. Ami, on va faire le point des étoiles de nos différentes équipes. Combien d'étoiles déjà pour la team sans filtre? La team sans filtre se retrouve maintenant avec 9 étoiles. 9 étoiles pour la team sans filtre, waouh! Et la team Rourou, une seule étoile. Une seule étoile pour la team Rourou, ouais. Ils sont vraiment venus accompagner leurs camarades dans l'émission. Mais ils comptent toujours sur le prochain jeu pour essayer de se rattraper. Le jeu crucial, le jeu importantissime, le jeu qui va désigner celui qui ira en finale pour participer à la dernière étape et essayer de remporter le maximum d'argent dans la Money Box. Ça s'appelle le coup de chance, le principe, ami. Le coup de chance, même si le talent n'a pas souri à la team Rourou, ni même les questions de culture générale, peut-être que cette équipe aura la chance. Parce que là, maintenant, il va falloir multiplier vos étoiles à travers le multiplicateur x0, le multiplicateur x1 et le multiplicateur x2. Tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver dans Jour de chance et ce sera juste après ce jingle dans le coup de chance. Nous sommes toujours dans Jour de chance et le jingle, vous avez vu tout à l'heure, on passe maintenant au coup de chance, le jeu crucial avec nos trois multiplicateurs x1, x2, x0, les multiplicateurs importantissimes pour la suite du jeu et pour désigner qui aura la chance de participer à la dernière étape et rentrer dans la Money Box pour essayer de gagner le maximum d'argent. Ok, alors l'équipe qui a le plus de points aura la chance de venir ici la première pour choisir sa box. Qui est-ce que vous avez désigné? C'est les 7, les 8, les 9, les 10. Elle arrive maintenant pour choisir la box. Envoie ta main. Mets-toi. Calme-toi d'abord. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu as prié? Tu as prié. Prier. Tu as jeûné. Elle a jeûné pour elle tout. A jeûné. C'est pas un enfant, elle connaît valeur de 2 millions. C'est pas un enfant. Les 7, le moment est crucial. Le moment est importantissime. Le moment, c'est le moment. Là, là, maintenant, là, c'est le moment de ton moment. L'heure de ton heure. Choisis la boîte qui va faire gagner ton équipe. Choisis la bonne boîte. Tu prends cette boîte-là. Je suis sûr que tu prends cette boîte-là. Tu ne changes pas d'avis. On fait du bruit pour les 7. Elle a déjà choisi sa boîte. Elle va rejoindre son équipe derrière le pupitre. Et autour de la team Wuru de désigner un membre pour choisir la boîte. C'est mon ami le slammer. Dans sa belle chemise de couleur rouge rouille. Son jean. Et ses souliers. Qui va choisir la boîte pour la team Wuru. Est-ce que tu es prêt, le Wuru? Tu appartiens à la team Wuru. Tu es donc un Wuru. Répète donc, après moi. Je suis un Wuru. Tu es un bon Wuru. Et là maintenant, le moment est arrivé de choisir la boîte qui va faire gagner ton équipe. En tant que Wuru, tu as certainement un mot à dire avant de choisir la boîte. Vas-y le Wuru, exprime-toi. Bon, ce que je peux dire, c'est de prendre la bonne boîte. Prends donc. Non, son mot pour la Côte d'Ivoire quand même, parce que peut-être que c'est son dernier passage. Un petit mot pour la Côte d'Ivoire en tant que slammer, et surtout, surtout en tant que Wuru. D'accord, d'abord je tiens à remercier Life TV. Merci. Voilà pour l'émission. D'accord. Voilà, parce que ça fait plaisir de participer aussi. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux dire merci spécialement de ma part à Malika Ouattara et Cassandra Beonao? Dis-leur merci, ces deux filles-là. Regardez cette caméra. Dis, je remercie Malika Ouattara et Cassandra Beonao, alias Pomo. Je remercie Malika Cassandra. Non, Malika Ouattara. Malika Ouattara. Oui. Et qui? Cassandra Beonao. Cassandra Beonao. Alias Pomo. Alias Pomo. Le moment est arrivé maintenant, Wuru, de choisir la boîte qui fera gagner ton équipe. Dans tes mains, sens les vibrations de ces boîtes. Sens-les. Touche-les. Palpe-les. Manipule-les. Tripote-les. Caresse-les. C'est bon. Le Wuru, tu es prêt? Vas-y, choisis la boîte qui va vous faire gagner. Le Wuru a choisi d'une main tremblotante, certes, mais son geste était ferme et droit. Et Boris, j'aimerais rappeler le grand écart qu'il y a entre les nombres d'étoiles de nos deux équipes. Oui. Parce que la team
Son filtre a quand même 9 étoiles. Et les Wourourous en tant que Wourourous ont combien? Une seule étoile. Une seule étoile, c'est un vrai travail de Wourourous, ils sont venus faire ici. Il n'y a pas de problème. Donc, on va à notre tour, amis, entre nous ici. Entre nous ici. En cachette, regardez ce qu'il en retourne du multiplicateur de la boîte qu'on a devant nous. C'est la boîte des animateurs. Pas celle du Wourourou, ni celle des sans-filtres, mais des animateurs. Mon cœur bat même. Ami, je sais que ton cœur bat, le mien aussi bat, car si nos cœurs ne battaient pas, ami, on serait mort. Quelle équipe sera finaliste? Yeah, Atiana! C'est ça, les gens disent Atiana. C'est gâté. Atiana! Atiana! C'est vraiment gâté. Aïe, attendez, ce qu'on a vu là, attendez. Donc en fait, eux, vous, votre espoir, c'est seulement que la team sans fil tombe sur le multiplicateur fois 0. Oui. Donc là où ils sont là, ils sont en train de regarder les gens là, mais ils ont que nous contre eux. Et la team sans fil, elle espère que nous, on ait le multiplicateur fois 0 ici. Parce que là, du coup, même avec le multiplicateur fois 1, ami, vous êtes qualifié. Ami, oui, mon Boris. Pour en rajouter au suspense prenant, au suspense haletant, oui, Boris, qui règne dans ce magnifique studio. Exactement. On va montrer le multiplicateur qu'on a ici devant nous pour que le public sache qu'en vérité, c'est là où on est là, c'est Jazzy. Nous savons le multiplicateur fois 2. C'est-à-dire qu'il y a forcément une équipe qui a le multiplicateur fois Gbalou, alias zéro. Et va devoir nous quitter sur le champ. Sous les acclamations du public, bien sûr. Dans ce public, certains me regardent. Je sens que en cœur, ils se disent, mais le joueur est peut-être dans mon box, là, l'arrière amassé. Vous avez ça en cœur. Et là, Boris, je vois la joie de la team Rourou. Oui, qui espère fortement que la team sans filtre est la box fois 0. Et on n'a pas encore dévoilé les multiplicateurs des différentes boîtes de nos équipes, mais on sent un certain gourmet sur le visage des membres de la team sans filtre. Calmez-vous, rien n'est encore joué. Une petite joie se lit également sur le visage de mon ami Slammer et ses deux copines. Mais calmez-vous, car vous n'avez pas encore gagné. Et ami, exceptionnellement aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui, dis-moi, ce sont les membres de la team Wouwou avec le moins de points qui vont montrer la valeur de leur multiplicateur. Boris. Le slammer. Vas-y. Le slammer, en ce moment, solennel, je dirais, cet important moment. Attention, attendez. Calme-toi d'abord, mon frère. Tu es déjà au lieu de pop-corn, un bon maïs qui est devenu pop-corn. Faut te maîtriser. Faut te maîtriser. Boris. Oui, ami. C'est très stressant tout ça. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est gravissime. On irait du côté de la pub, le temps d'apaiser nos cœurs parce que c'est très très chaud. C'est vrai, ami. Lance la pub. Ne zappez surtout pas. Restez. Restez là pour savoir quelle équipe finaliste rentrera de notre money box. Pub. Pub. Public, s'il vous plaît, merci de nous encourager, merci de nous soutenir, merci surtout de nous aider à tenir dans ce moment où la tension est à son comble. On est à l'étape. L'atmosphère est lourde. Devant Ami et moi, on a le multiplicateur x 2. C'est donc une évidence que l'une de nos deux équipes a le multiplicateur x Gbalou, alias 0. Et tout à l'heure, de façon consensuelle, on a décidé que ce serait l'équipe avec le moins de points qui découvrirait la valeur de son multiplicateur. Ami Slammer, le moment est venu pour toi d'ouvrir cette fameuse boîte dont dépend le destin. Il faudrait la montrer aux caméras d'abord. À la caméra. Non, dans l'autre sens. Non. Chers Wouwou et Wouwout, deux Wouwout, un Wouwou. Vas-y.
avec le cœur qui bat à la caméra. Cher Wouwou, et je dirais bien sûr, doucement, Wouwou, découvrez la valeur de votre multiplicateur. À la caméra. Wow! Fin du suspense sur notre plateau. On sait désormais que la team sans filtre a le multiplicateur fois 1. Les Wouwou ont eu le Gualou. Le Gualou? Oui. Ah, ça me tu veux rire. C'est pas moi, il y a Dindin. Jusqu'au bout. Je vais rire aussi. Bernadette, viens, viens, ma chérie. Levez-moi. Oh, Bernadette. On les applaudit, s'il vous plaît. Le multiplicateur fois 1. Retourne. Le couvercle, voilà. Non, retourne. Le multiplicateur fois 1. Oh, Bernadette. Ce fut un plaisir. J'espère qu'on se reverra sous d'autres cieux, sous de meilleurs auspices, dans d'autres conditions, où ton sourire sera beaucoup plus large, au point de faire un nœud sur ton front. Félicitations. Kama. Merci. Félicitations, bravo, merci d'avoir participé. Mon frère, tu es un bon slammer, mais ta main n'a pas lock. C'est fois 0 là, tu as soulevé pour partir. Allez saluer vos adversaires du jour, s'il vous plaît. Hey, dans un pur esprit. Alors qu'il avait fait tout ça. Pour ça. On les applaudit, s'il vous plaît, on les applaudit. Merci d'avoir participé. Boris. Oui. Je comprends pas. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de talent, de ne pas avoir de culture générale, de ne pas avoir la chance? Ce sont les wouwou, ce sont les wouwou. C'est chaud pour moi. Ce sont les wouwou. Et on va passer maintenant à la dernière chance alors. La dernière chance. Ok. Le dernier jeu avant de rentrer dans la Money Box pour déterminer le nombre de secondes que feront les membres de l'équipe sans filtre dans la Money Box, c'est la dernière chance et on y va juste après ce jingle. Nous sommes de retour sur le plateau de Jour de Chance et d'aucuns diront que j'aime sécher mon habit là où le soleil brille. Mais voilà, c'est comme ça, tout le monde aime les gagnants. C'est pour ça que je suis venu du côté de la team sans filtre qui sont les vainqueurs du jour. Allez, rejoignez-nous là, sur le devant de la scène, s'il vous plaît. On applaudit pour la team sans filtre. Félicitations à la team sans filtre, finaliste. Mettez-vous en file indienne. Le premier ils ont la chance. Tient à main une étoile et vous répondez aux questions de culture générale que Boris va vous poser. Que vous ayez la réponse oui ou non, vous devez passer l'étoile à votre coéquipier en arrière et passer à la queue. Bonne chance. Bonne chance à la team sans filtre. Et retenez surtout que chaque bonne réponse vous rapporte 5 secondes dans la Money Box. À la fin de cette épreuve, le nombre de bonnes réponses sera multiplié par 5, c'est-à-dire 5 secondes dans la Money Box. Exactement. Et puis on saura le total de temps que vous ferez entouré de billets qui s'envolent autour de vous pour essayer de ramasser le maximum pour vous et votre équipe. Est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais qu'on coupe un peu la musique, s'il vous plaît, parce que le moment est important. Voilà, il faut éviter qu'ils disent qu'il n'est pas bien entendu et tout. Est-ce que le chronomètre est prêt? Parce que je vous rappelle également que vous avez une minute pour répondre aux différentes questions. Exactement. Dans un temps de une minute, vous devez répondre aux différentes questions et chaque bonne réponse vous rapporte 5 secondes dans la Money Box. Est-ce que le chronomètre est prêt? Ok, on va y aller. Vous êtes prêts, les gars? Dites sans filtre. Est-ce que vous êtes prêts? Sans filtre. Est-ce que vous êtes prêts? Sans filtre. C'est la team? Sans filtre. C'est la team? Sans filtre. Je ne sens pas l'énergie. Je ne sens pas l'énergie. Comment on pose des questions dans ça là? La c'est 2 millions qui vous attendent, les gars. C'est la team? Sans filtre. C'est la team? Sans filtre. Ok, on va y aller. Top! Quel chanteur belge interprète le titre Papa où t'es? 5, 4, 3. Stromae. Bonne réponse! Quel célèbre chanteur de reggae ivoirien répond à l'état civil au nom de Seydou Koné? Alpha Blondy. Bonne réponse! Dans quel club anglais a évolué le footballeur ivoirien Yaya Touré de 2010 à 2018? Manchester City. Bonne réponse! Quel chanteur ivoirien a popularisé le zimbro? Ziggy. Non, c'est Gore la montagne. Question numéro 5. Quel est le nom du présentateur de l'émission Y'a Solution sur Live TV? Est-ce Eric Antoine, Eric Landry ou Eric Cantona? Eric Antoine. Non, c'est Eric Landry. Passe l'étoile. Quel est le nom de la plus petite planète naine du système solaire? Cérise, Cérès ou Cérus? Cérus. Mauvaise réponse, c'est Cérès. Question 7. Quel est le nom de la monnaie de la Corée du Sud? Le Yin, le Yang ou le Won? Le Won. Bonne réponse, c'est question 8. Quel est le nom du chien? Les 60 secondes sont terminées, Boris. La minute est écoulée, vos 60 secondes sont écoulées. Donnez-moi et je pense que vous avez un assez bon score. Hein. Amis, ça fait combien de bonnes réponses? Rejoignez le pupitre là-bas, s'il vous plaît. Combien de bonnes réponses pour la team sans filtre? La team sans filtre a récolté 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, ce qui revient 15 secondes dans la Money Box. On applaudit pour eux. 15 longues secondes. 15 longues secondes.
Trois bonnes réponses. Attends. Dans le souci d'impartialité, surtout de justesse, j'ai vu qu'il y a Kinaya qui revendiquait une autre bonne réponse. Le maître du jeu me dit qu'il y avait quatre bonnes réponses. Quatre bonnes réponses. Ah, quatre bonnes réponses. Voilà, il a bien fait de revendiquer. C'est bien. On applaudit encore pour lui. Il est concentré. Quatre bonnes réponses. Alors, on passe maintenant de 15 à 20 secondes de la Money Box. Et qui va aller tenter sa chance dans la Money Box? Qui est-ce que vous choisissez? C'est toi. Viens ici, mon frère. Applaudissez pour lui. Il a sa petite coiffure de natte aplatie, appelée natte libérienne. Le sourire. Il avance fièrement, tanky, tel le beau lutteur noir de Bilago Diop vers son destin. Il est dans la Money Box. Les billets vont souffler, voler autour de lui. Et il va essayer de ramasser le maximum pour son équipe. Ami, c'est à toi de jouer, je t'écoute. La team sans filtre, la télé sans filtre vous a porté chance parce que c'est vous qui avez la chance d'être dans notre Money Box et de repartir avec peut-être les 2 millions de francs CFA. Il faut savoir, dans notre Money Box, il y a des règles. Il ne faut surtout pas vous abaisser pour prendre l'argent. Il ne faut également pas prendre l'argent pour mettre dans vos poches. Prenez l'argent avec vos mains, rien que vos mains. Bonne chance. On ne s'abaisse pas pour ramasser l'argent. On prend l'argent seulement dans vos mains et puis on met rien dans sa poche. Il ne faut rien fourrer. C'est vrai qu'il faut qu'on ne t'aime pas faire ça ici. Ou tu fais guérir tes amis, puis tu fourres quelque chose sur le côté là. On te surveille. Ami, on referme la porte de notre majestueuse Money Box, notre sublime Money Box. Elle est tellement belle, Ami. Faites-toi avec grâce. Ah. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Ami Touré, parce que franchement, elle est exceptionnelle, cette jeune dame-là. OK, le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est le moment de savoir avec combien va repartir notre très cher team sans filtre public. J'ai besoin de vous pour le décompte. On y va, Ami. 5. On s'attrape les mains pour montrer qu'on se soutient. 5, 4, 3, 2, 1, jour de chance! Alors, il se donne à fond. Allez, les pieds sont autour de lui. Encouragez-le, s'il vous plaît. Il est en train de prendre un maximum de pieds. Je pense que la technique a été travaillée. Elle a été réfléchie. La technique est rodée. Il sait exactement ce qu'il fait. Waouh! Waouh! L'un des plus beaux scores, je suis sûr, pour cette journée. Oui, je pense aussi. Oui. Assez-vous. Il dépose tout sur la table. Et Ami va faire le décompte. Bien joué, mon frère. Tu sais chercher l'argent. C'est un esprit. On va refermer la porte de la Money Box. 20 secondes dans la Money Box, c'est pas petit. Compte la somme remportée par nos amis. Des 10 000. De la team sans filtre. Vraiment, c'est Ami, impressionnant. Rapidement, on va rappeler le numéro de téléphone pour pouvoir venir jouer avec nous ici. Si vous aussi, vous voulez venir sur notre plateau de Jour de Chance et repartir avec 2 millions de francs CFA, il vous suffit juste de nous envoyer Jour de Chance par SMS ou WhatsApp au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 07 69 68 99 99. 07 69 68 99 99, vous envoyez Jour de Chance par SMS ou sur WhatsApp à ce numéro-là, c'est le numéro du bonheur. Et vous nous rejoindrez ici pour essayer de repartir avec la rondelette somme de 2 millions de francs CFA. 07 69 68 99 99 07 69 68 99 99. Vous envoyez Jour de Chance et vous essayez de repartir avec beaucoup d'argent comme nos amis de la team sans filtre. Franchement, je suis content pour vous. J'ai plus le buzzer. Le buzzer a été désactivé. OK, d'accord. Nous sommes toujours dans Jour de Chance public. Faites-vous entendre, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Voilà, notre public est présent et notre public vient d'assister à un moment exceptionnel, un membre de la team sans filtre, le vainqueur du jour, qui sort de la Money Box. Et franchement, il a fait une razzia dans notre Money Box. Je sens que la somme sera assez forte. Ami, tu me rejoins ici, s'il te plaît. Oui, Boris. Alors, ils repartent avec combien? En 20 secondes, la team sans filtre a gagné 96 000 francs CFA. Yeah, 96 000 francs. Pour les membres de la team sans filtre, venez s'il vous plaît. Venez prendre votre argent, c'est votre argent. Vous l'avez mérité à la sueur de vos muscles et de vos méninges surtout. Prenez votre argent, 96 000, honneur aux dames. On va donner l'argent à la femme parce que c'est la femme qui peut bien garder l'argent. Voilà. Tenez, 96 000 francs CFA pour les trois membres de la team sans filtre. Alors Kinaya, ça te fait quoi de voir ton argent comme ça? Après tout ce que tu as traversé aujourd'hui. Ça me fait plaisir parce que avant le jeu, il y avait beaucoup de stress.
Yeah. Vraiment. Tu es détendu maintenant. Moi, je suis un peu détendu. Tu as vu que c'est cool, on s'est bien amusé. Ouais, alors, les 7, les 8, les 9, les 10. Oui. Mais moi, je venais déjà avec ma chance, donc mon cœur ne battait pas. Il a dit là. Alors, le beau gosse, ça fait quoi? 96 000, quand même, c'est une belle somme. C'est une belle somme. Et je suis très content, ça a été une belle expérience. Oui. Et je remercie Allah. Tu as vu, ça vous a porté chance d'avoir utilisé le slogan de Live TV comme le nom de votre équipe, parce que c'est la team sans filtre. J'ai pensé à Live TV. Tu as vu, tu as bien pensé, parce que Live TV, c'est la télé sans filtre. Ami, tu es content pour nos amis de la team sans filtre? Oui, je suis vraiment heureuse pour eux. Ils méritent. Ils méritent l'argent. Ils méritent, exactement. Pas parce qu'ils appellent. Bon, peut-être parce qu'ils appellent la team sans filtre. Tu as quelque chose à nous dire? Vas-y, exprime-toi. Si c'est pas méchant, si c'est pas non, injure. Non, c'est pas méchant. Vas-y. Juste vous dire que vous êtes suivis depuis Kounaïri. Kounaïri. La même famille Touré. Vous êtes vraiment un des acteurs que ma maman aime beaucoup. Oh, je salue maman Touré. Ça s'appelle Kouadio Afro Monique. Je salue maman Kouadio Afro Monique. Maman Kouadio Afro Monique, j'ai hâte de te rencontrer. Et puis je t'envoie 1 milliard de bisous là-bas à Kounaïri. On est ensemble jusqu'en décembre. Ouais. Bisous merci, à toi, maman. Merci. Franchement, ça fait plaisir de retrouver comme ça des fans de Live TV, des gens qui aiment vraiment nos émissions, qui apprécient notre travail et qui viennent jouer avec la bonne humeur, avec le bon esprit. On s'est vraiment éclaté avec vous. Merci d'être passé. Ami, merci à toi. Merci, Boris. Merci d'avoir accepté de partager ton plateau avec moi. Ça fait plaisir. Mais attends, mais tu es ici comme chez toi. Tu viens quand tu veux. Merci. Merci à Ami. Merci à tous les téléspectateurs de Live TV. Merci à ceux qui nous suivent et surtout, dormez bien parce que demain, c'est votre jour de chance. Allez, à demain.